Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur mon île Wednesday, on est sur une de mes premières îles qui s'appelle Choco. C'est une île jungle féerique et ça doit faire au moins un an que je ne suis pas retournée sur cette île-là. Et j'avais envie de retourner sur cette île et de vous la montrer pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on est sur Choco, on est sur mon île jungle féerique avec mon petit personnage trop mignon. Et du coup, je vous montre la carte. Donc on est sur Choco et j'adore la carte que j'ai faite pour cette île-là. En personnage principal, on a Charlotte, on a Levan, on a Anna, on a Neferti, Laura, Terra, Chino, Nadine, Didi, Mathéo, Pauline, Rosie et Marine. Et je pense que malheureusement Pauline va nous quitter. On mettra Christine à la place parce que j'ai vraiment envie d'avoir Nadine et Christine comme au début. Et le code onirique c'est le DA22 57 14 22 92 05. Comme ça, vous pourrez aller la visiter. Donc c'est parti pour la petite visite. Donc déjà, voilà l'entrée de mon île que je trouve juste sublime. Je suis très fière de cette île-là, vraiment. C'est une des îles que j'ai préféré faire et de loin. Là, c'est la petite plage. Je la trouve très belle. Je suis trop fière de cette île-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette île. Je suis très curieuse de vous lire. Coucou Chino, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ose même pas leur parler parce qu'à mon avis, ils vont murler dessus. Donc là, on part comme ça. Ici, on a un petit coin. Vous allez voir, trop mimes. Attendez, c'est par là qu'on passe, hein, je crois. Oui, c'est par là. Et regardez-moi ça. J'aime beaucoup trop. Franchement, j'aime énormément cette île-là. Donc là, on passe comme ça et regardez. Oh là là, c'est trop beau. C'est hyper beau. J'aime vraiment cette île. Ça me rappelle plein de souvenirs. C'était génial, quoi, quand je l'ai créée, cette île-là, avec vous. Oh, vraiment, c'était un réel plaisir. Et j'avais trop envie de vous la montrer pour tous ceux qui ne la connaissent pas. Parce que depuis, il y a eu beaucoup de nouveaux. Regardez-moi ça. Donc là, on passe par les plages. Les plages sont plutôt bien aménagées, hein, franchement. Hein. J'ai mis le paquet. Alors attendez, je pense qu'il faut que je passe comme ça. Voilà. J'aime énormément cette île. Je récupère la petite bouteille à la mer. Et vous allez voir que là aussi, il y a un paysage, mais à couper le souffle. Donc là déjà, on a une petite plage trop mimes, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'aime énormément, vraiment, cette île-là. Oh, je la raserai jamais parce que je l'aime trop. Alors là, on va monter. Monte, pourquoi tu montes pas? Voilà. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Je vais vous mettre avec l'appareil photo. Regardez-moi cette dinguerie de paysage. C'est trop beau. J'aime énormément, regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh, qu'est-ce que j'aime cette île. Vraiment, c'est une de mes préférées et de loin, vraiment. Donc là, on va repasser comme ça et vous allez voir que elle est très belle cette île-là. Je crois que le passage, il est par là. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un. Non, c'est pas du tout ça, c'était plus loin. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un. Donc c'est pour ça que je ne sais plus trop. Oui, ça va être là. C'est soit ici, ouais c'est ici, voilà. Après on repart comme ça, hop, et là vous allez voir, on arrive dans un super beau endroit, tellement féerique, regardez-moi ça. Oh, je suis ultra fan de cette île, mais vraiment. Et ça me fait hyper plaisir d'arriver sur mon île, de la revoir, parce que ça faisait tellement longtemps que je suis pas venue. Oh, regardez-moi mon camping, est-ce qu'il n'est pas trop mims? Oh, j'aime trop. J'avais fait exprès qu'il y ait la tente comme ça. Oh, j'aime trop. Alors, attendez. Hop. Ah oui, mais attendez, non, on va repasser comme ça. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime cette île. N'hésitez pas à me dire hein, vraiment en commentaire ce que vous pensez de cette île-là. J'ai trop hâte de vous lire.
on passe comme ça, et voilà. Alors de base, en fait, ça c'était pas là. Hein. C'est vraiment parce que j'en ai besoin pour mon île OneSD, donc du coup je l'avais mis là. Donc là, regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop beau, j'aime trop. Je me suis tellement régalée à la faire. Donc là, on passe comme ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Coucou toi. Ah d'accord, il y a quelqu'un qui réfléchit. Ok, il y a Laura qui veut partir. Pourquoi pas, hein, mais non, Laura, tu partiras pas. Là, regardez. Est-ce que c'est pas trop beau, ce petit coin-là avec les petits canards et tout ça? Oh là là, que de souvenirs, mais vraiment que de souvenirs. Oh, magnifique, regardez-moi ça. Elle est trop belle quand même. La petite plage ici, qu'est-ce qu'elle est cocotte. Et là, pareil, voyez. Oh là là, c'est trop mignon. Mais non, je m'en souvenais plus du tout. Mais c'est trop cute. Oh là là, c'est trop mignon. Je suis vraiment trop trop contente de vous la partager aujourd'hui pour tous ceux qui ne l'ont pas vue. Et j'en ai une troisième que je vous montrerai aussi. Parce que pareil, ça fait très très longtemps que j'y suis pas allée et j'ai vraiment envie de vous la montrer. Bip bip, Nadine, bip bip, pardon. Donc en fait ici j'ai mis des petites rampes. Mais voilà, en fait c'est juste parce que... Enfin, je vous montrerai après. En fait, c'est pour faire ça. Voilà, parce que je voulais en fait qu'à côté de la mairie, si vous voulez, voilà, soit comme ça de chaque côté. Et après, je me suis dit, bah pourquoi pas mettre des rampes en vrai. Ici, c'est hyper joli aussi. Là, il y a encore la petite mare au canard, mais avec un différent motif. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cette île-là sur ma chaîne, avec tous les motifs perso, s'ils vous intéressent. Je pense que peut-être je les remettrai quand même en description de cette vidéo. Vous avez vu comment c'est joli. J'essaye de vous le montrer avec l'appareil photo. On voit toujours mieux avec l'appareil photo. Regardez-moi ça. C'est trop beau, non? Oh là là. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette île-là. C'est pour ça que je voulais vraiment pas la raser parce que je l'aime trop en fait. Donc là, on passe comme ça. Là, il y a les petits canards. Hop. Et après, on passe comme ça. Ça va, ça n'a pas changé. Il n'y a pas de mauvaises herbes en vrai, ça va. Mais en même temps, j'ai mis tellement beaucoup de motifs qu'elles ne pouvaient pas trop spawn. Donc après, vous allez comme ça. Vous longez comme ça. Je vais vous montrer d'ailleurs la plage ici, comme ça. Vu qu'on est là, je vous montre. Voilà les plages. Elles sont hyper, hyper chargées, je trouve. Mais en vrai, c'est ce que j'aime. Je vais pas vous mytho. J'aime énormément quand les plages sont chargées comme ça. Et c'est ce qui fait, je trouve, la beauté aussi de cette île-là. C'est que c'est vraiment chargé de partout. C'est chargé absolument de partout. Et c'est ce que j'aime. Oh là là. Que de souvenirs sur cette île. Vraiment. Je m'étais tellement régalée à la faire, je me rappelle, c'était mémorable. Du coup, on va pouvoir passer comme ça et vous allez voir, regardez le petit coin là, s'il n'est pas mignon. Oh là là, mais non, mais... Mais c'est trop mignon, je trouve. Regardez avec l'appareil photo. C'est trop mims. Franchement, quand même, les idées que j'ai eues pour cette île là, c'était complètement dingue. J'étais méga, méga inspirée. Hein. Oh, oh là là. Et là, pareil, petite plage. Hyper décorée. Oh, trop mignonne, quoi. J'aime vraiment cette île-là. On va passer comme ça. Après, vous allez voir les maisons. C'est ce qui donne aussi vraiment très beau aussi. Donc là, on a les sœurs doigts de fée un petit peu cachées comme ça. Et c'est ce que je trouve qui est trop, trop coco aussi sur cette île-là. Hop, on passe comme ça. Là, il y a plusieurs maisons. Je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a quand même trois. J'en ai quand même fait trois en vrai. Je vais vous en montrer, je pense, deux. Hein. Et parce que trois, ça fait beaucoup quand même. Vous allez comme ça. Et là, vous avez la boutique Mélie et Mélo. Oh là là. Trop, trop joli. Et là, vous avez la petite plage de Rounard. Là, on passe comme ça. Et là, on va arriver où il y a les maisons, en fait. Donc là, on a le musée.
qui est un petit peu cachée. Je sais plus trop où sont les passages en fait. Voilà, un petit peu caché comme ça et je trouve que ça rend trop trop bien. Après vous allez comme ça et là en fait on a les maisons et vous allez voir que c'est ce que j'aime aussi. Regardez les maisons, comment je les ai disposées. Hop, regardez, on va comme ça de chaque maison. Et ça je trouve que ça rend mais vraiment trop trop joli. On passe sur le petit pont, donc là on a l'autre maison. On repasse sur un petit pont. Là, on a l'autre maison, regardez. Celle-là, on y accède en fait par la rampe du coup. Ensuite, on va comme ça et regardez-moi ça. C'est trop joli. Oh là là. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc là, en fait, on y accédait par la rampe. Voilà, là c'est exactement pareil, donc là il y a une petite rampe, on peut monter aussi comme ça directement chez nos petits habitants. Là en fait c'est un gros gros lac, on va ramasser ça, et en fait c'est la lune, vous voyez, c'est la lune en fait. Je vous montre sur la carte, voilà, c'est la lune. Ensuite on va comme ça. Et là, pareil, vous avez toutes les petites maisons, vous voyez, qui sont mises pareil. Donc là, on a la première maison. On a la deuxième maison. On a la troisième maison. Et je trouve que c'était une vraie bonne idée de mettre comme ça les maisons parce qu'on ne sait jamais comment les placer. Et là, du coup, eh ben, j'ai réussi à toutes les placer. Et je trouve que c'était vraiment original en fait de les mettre comme ça. Vraiment je trouve que l'île est belle, la carte est belle, cette île là c'est vraiment un sans faute. Je suis vraiment très très fière de cette île là donc là on va comme ça, en même temps je fais le ménage hein. Et ici on arrive donc à ma maison et ici on a la deuxième maison. Donc du coup je vais vous montrer déjà une maison. Bien évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je vous ai dit ça serait vraiment trop long en fait. Voilà la première maison, très très chargée comme vous pouvez le voir, mais je trouve que c'est ça qui rend vraiment le charme de cette maison et j'adore cette maison. Franchement, je la trouve trop trop belle. Pour moi aussi, c'est une vraie vraie réussite. Du coup, après, on a la pièce du fond. En fait, c'est la maison du sorcier de l'île. Et pareil, là, le petit bureau, je le trouve mais tellement coco. Je suis vraiment très très fière de cette île-là, vraiment. Ensuite, on va aller voir la pièce ici. Là, c'est une petite salle de bain. Pareil, trop trop cocotte. Franchement, je trouve ça rend méga méga bien. Si vous voulez voir du coup les autres maisons, n'hésitez surtout pas à aller visiter mon île avec le code onirique ou alors à regarder l'Island Tour que j'avais fait pour cette île-là pour vous donner le code onirique. N'hésitez surtout pas. Waouh, c'était quand même très très stylé, franchement. Oh là là, trop trop stylé quoi. J'entends que ma Switch est en surchauffe parce qu'en fait, la Switch principale que j'ai, elle date quand même, elle a au moins, elle a au moins 5-6 ans et elle surchauffe de ouf. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer juste les pièces de cette maison là et on va arrêter là pour cette vidéo. Mais vraiment, je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment une île, donc je suis extrêmement fière. Allez, et voilà la dernière pièce et cette pièce là, j'en suis complètement fan, je l'adore, elle est trop trop belle, trop 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 stylée. En tout cas voilà, je vais vous laisser là sur cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, on n'hésite pas à liker et bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette île là. J'ai trop trop hâte de vous lire. En tout cas moi je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Ciao !